officielle, effectivement, cet enjeu. Et qui doit prier, qui a dû beaucoup prier lors de la finale par équipe. Oui, mais il y avait un vrai challenge pour lui, parce qu'après les Jeux d'Athènes, il s'était un petit peu brouillé avec la fédération. Il était mis un tout petit peu en disgrâce, et ici, il fallait absolument qu'il prouve, faute de quoi. Grokordin, le russe. Double vrille ennemi percuté, tendu demi-tour. Travail de combinaison, tempo, twist, double avant. Avant, percuté, 1,5, roulé. La dernière diagonale, c'est là que tout se joue. Brille celle d'arrière, corps groupé. Oui, bien joué. La Russie qui court après une médaille en gym. Hein. Oui, hein. Elle court déjà après une médaille en escrime, puisque c'est la première fois que la Russie n'a obtenu de médaille pour l'instant en escrime. En gym, c'est un peu pareil, hein, Michel. Oui, Grokordin, qui est un bon généraliste, en tout cas le meilleur russe actuellement. Les écarts de points sont très très serrés. Il était sixième de la qualification. Et tout est possible hein, dans cette compétition, six épreuves. Rien n'est joué avant la fin, le dernier agrès. Et c'est celui qui, au-delà de la performance et du niveau technique, réussira bien sûr le mieux. Et tout le monde a ses chances. Voilà, ça c'était un peu le tour de choses. La première rotation touche à sa fin. Il y a encore deux gymnastes aux arçons. Alors on vient combien de temps on se réveille combien de temps avant l'épreuve quand ça commence à 11h? Oh, 6h du matin. Ouais. 6h du matin. 5h avant.